Alors pour moi, le programme de coaching du TDC fait vraiment la différence sur un point clé qui est l'accompagnement de structures sur, et de coopératives, notamment de cacao, sur des problématiques très commerciales, ce qui est assez innovant dans le sens où ça n'existait pas il y a quelques années et qu'on a pu voir au fil du temps l'appui concret que ce type d'expertise a permis au niveau des coopératives. Et de pouvoir améliorer l'accès au marché de ces petites structures dans leur contexte, avec leurs problématiques et de manière très concrète. Donc à travers le programme de coaching, j'ai pu appuyer une coopérative qui s'appelle la Simpa, qui est une coopérative basée en Côte d'Ivoire, qui exporte et qui travaille sur du cacao principalement, qui a décidé de développer une activité de transformation locale pour pouvoir avoir une ligne artisanale de production de chocolat réalisée localement, qui serait à la fois une expérience commerciale pour eux, mais également humaine, qui permettait directement d'impliquer les femmes des producteurs de cacao de la coopérative. Et à travers le programme de coaching, on a pu aboutir à justement un travail autour d'un chocolat fait localement, en partenariat avec un producteur chocolatier local, ivoirien. Et donc c'est une superbe histoire entre des experts très différents, à la fois des femmes, l'implication des femmes et leur renforcement en compétences et leur empowerment, et du coup un chocolatier local qui a pu savoir mettre à profit son savoir-faire pour mettre en avant des produits locaux de son terroir.